Eh bien, salut, j'en suis ici pour la troisième partie de cette saison 8 du mode Pro Team, bien sûr, sur le Tour de France 2014 avec la 17e étape. Et puis, la dernière fois, il y avait un petit bug à la fin, donc vous m'avez plus entendu ma voix et tout. C'était. Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Mais donc, c'est pas grave, maintenant, c'est bon. On y est de nouveau. Donc. Distance 125 km, le vent est faible, profil montagne, donc une étape très très courte. Et puis j'espère que Longo tiendra le coup. Mais bien sûr, c'est une étape très bien pour nous en plus, parce que le début on peut le faire avec Kittel et puis on laisse Longo tranquille. Après on va se concentrer tout à fait sur Longo et on laisse Contador tranquille. Et après à la fin on se concentre sur Contador pour la fin d'étape. Mais le problème... c'est ce que je disais la dernière fois, mais malheureusement j'ai dû couper parce qu'on m'entendait plus et tout. Que il y a un objectif qui a forcément plus remplir parce que bah on est obligé de gagner normalement encore une étape avec Contador ou alors une étape avec Kittel. Et puis malheureusement, bah enfin, si on pourrait, si est-ce qu'on a déjà gagné une étape avec Contador? Non, je crois pas, justement, donc c'est plus possible. Donc, je pense que voilà. Mais bon, on va laisser les objectifs de côté. On va se concentrer déjà sur notre objectif maintenant de cette étape. On va tout à fait se concentrer sur cette étape. Donc, ça veut dire on fait le début avec Kittel. On continue par Longo pour pouvoir espérer de gagner encore quelques points en grimpeur. Parce que ça, c'est en plus un objectif qui est encore faisable. Et puis après, bah. On va faire l'étape avec Contador. Puis on va voir qu'est-ce qui est possible dans tout ce truc. Mais d'abord, on va se concentrer, comme dit, sur Kittel. Et donc, je dirais qu'on va prendre les protéines, comme vous m'avez proposé déjà. Et puis, j'ai pas pu tester parce que bah, il y avait que des montées. Enfin non, en fait, là, c'est pas la meilleure chose, peut-être, parce que c'est pas que du plat. Donc du coup, on va. Le ravitaillement, est-ce qu'il y a... Oui, il y a encore un grimpeur avant le ravitaillement. Donc du coup, j'hésite entre le café et le citron là. On va prendre deux fois le citron. C'est parti. Parce que comme ça, on peut le prendre... bah, ou alors pour Kittel avant le sprint, ou alors pour Longo pour le prochain premier grimpeur là. On aurait pu prendre aussi le café contre la fatigue pour le début. Mais bon, on verra maintenant. Le plus important, c'est en toute façon de se faire des points avec Longo en grimpeur, et c'est ça aussi qui va être le plus chaud, j'ai envie de dire. Mais disons avec Kittel tout est possible encore, parce que là si on se fait des points en sprint, donc on garde le maillot jaune, et puis après si on gagne encore l'étape à Paris, on pourrait encore gagner notre objectif avec Kittel. Mais bon, de gagner à Paris c'est quand même assez chaud, même si on a le meilleur sprinter, c'est quand même assez chaud, parce que disons, Mesdames, Messieurs, voilà, c'est Paris rendez-vous, quoi, les tout le monde veut ingrédients sont gagner réunis pour une étape une victoire placée comme sous le ça. signe de l'offensive. Une étape courte où les quatre cols à escalader sont ramassés sur moins de 100 km. Les attaques pourront surgir à tout moment, en montant comme en descendant. Voilà, donc là on pourra pas trop faire des simulations parce que disons faut quand même surveiller de près toutes les attaques, parce que là tous les attaques peuvent être dangereux. Bon, il faut pas que le peloton s'endorme là, il faut que... Bon, aujourd'hui on n'a pas le choix. C'est une étape cruciale pour le général. Va falloir qu'on passe à l'attaque pour refaire notre retard. Allez, courage et faites le maximum. Ok, on va essayer. On va tout essayer, ça c'est sûr. Mais... Accélération en tête du D'accord, donc là peloton. ça attaque. Faut voir qu'est-ce que ça donne là. On Il va est bien suivre. possible que l'échappée matinale mette du temps à se former. Certaines équipes de sprinteurs vont peut-être essayer de maîtriser la course jusqu'au sprint intermédiaire. Leurs sprinteurs pourront ainsi assurer les seuls points qu'ils peuvent empocher aujourd'hui.
Allez, sinon j'ai trop tendance à suivre toutes les attaques. Ah bah en fait c'était la bonne en plus. Attendez, attendez. Enfin, pas dire si c'est la bonne, mais on a bien fait de suivre en fait cette attaque-là parce que elle part loin en fait. Donc on a très bien fait en fait de suivre cette attaque. Maintenant à 3 km, on va reprendre le relais. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Ça m'étonne pas que ça roule fort derrière. Ah mais il y a le maillot jaune dans le coin là. Où est-ce qu'il y a le maillot jaune? Parce que c'est indiqué que le maillot jaune est là avec nous, mais je le vois pas. Voilà un bon grimpeur. Ouais, c'est pas grave. Mais c'est quand même bizarre qu'on voit pas le maillot jaune alors qu'il est chez nous. Peut-être qu'il c'est un fantôme le maillot jaune, on sait pas. Non, je le vois vraiment pas. Mais peut-être on va le croiser après encore. Et pourtant il est avec nous là. C'est un pur grimpeur, capable de suivre les tout meilleurs quand il est en forme. Oh putain, le sprint il est déjà là, putain, mais je. Mec, laisse-moi sortir! Bon, j'ai eu de la chance encore parce que j'ai pensé en fait que le sprint est un peu plus loin, mais bon. Superbe, le maillot vert aujourd'hui. Ça c'est déjà ça. Voilà, c'est ça notre objectif. Donc du coup, on a tout fait, qu'est-ce qu'on voulait. Et puis, ok. Donc du coup, on peut refaire un peu de simulation. Après, il faut pas oublier de prendre le ravitaillement. Mais du coup, comme il y a cette échappée, c'est de nouveau mort pour Kittel. C'est bien dommage que Kittel a pas de chance comme ça à chaque fois. On va dire à... Non, on va le prendre même. Ah mais il est là le maillot jaune, pourquoi il nous dit que... Puisqu'il n'y figure aucun favori pour le classement général. Donc on va essayer d'attaquer là. Parce qu'en toute façon... on a le jaune, le ravitaillement encore à prendre, donc ça il n'y a pas de souci. C'est l'équipe du maillot jaune qui assure la poursuite de l'échappée. Peloton roule fort, restez bien placé. Bon, on a le jaune, mais par contre on n'a pas le rouge forcément, quoi. Parce que faut dire une attaque en montée, ça tue quand même. Mais faut qu'on se place pour les deux prochains grimpeurs qui suivent là. C'est un sacré rouleur. Parce que sinon ça sert à rien tout ça. L'avant de la course est à 2 km du sommet. On va prendre notre ravitaillement maintenant. Et puis... Oui. Un équipier est en train de perdre le contact. Il faut juste essayer d'être avec... de suivre les gars là-bas. Et puis bon, pour l'instant, Contador... il peut être tranquille. La descente du portillon n'est pas très longue, mais elle est technique. Les coureurs devront y faire attention. Allez les gars, on va prendre du coup le ravitaillement avec tout le monde. Alors attendez, Kittel l'a déjà pris. On va juste faire gaffe avec ça. Longo aussi. Et puis c'est bon. Tout le monde prend son Sa ravitaillement. La meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Bien reçu. Alors là, vous n'allez pas me dire que ça c'est Longo là qui s'est fait tuer là. Putain, mais c'est vraiment pas un grimpeur Longo. Il a du mal là, il a vraiment du mal. C'est mort avec Longo. On peut rien viser avec lui. Bah, du coup, ça va être très très chaud. Parce que du coup. On a pas le choix, il on peut rien faire avec bon Longo. Mais il a tendance à monter au train, son accélération n'étant pas sa meilleure arme.
Bon, le peloton est là, donc nous on fait un peu accélérer le peloton. À long terme, c'est une bonne idée de faire accélérer le peloton parce que les échappées devant, putain, ça devient dangereux. Et puis mes virages, ça devient dangereux aussi. Donc du coup, on est comment là? Ouais, d'accord. Il y a quand même pas mal d'échappés là. Donc du coup, c'est bien si on prend la tête du peloton et on fait un peu accélérer le peloton parce que sinon, ça peut devenir dangereux pour Contador au final. Même si l'objectif de Contador c'est foutu parce que bah. On n'a plus assez d'étapes à gagner avec La tête de Contador, course mais ne va pas tarder à c'est entamer pas grave. l'ascension du col de Peyressourde. C'est l'un des grands classiques du Tour de France que les coureurs connaissent bien. Ok. Donc maintenant le ravitaillement est pris avec tout le monde de toute façon, donc maintenant on peut refaire un peu de la simulation. Attendez, par contre on va faire pause vite fait parce que juste pour comprendre un peu, d'accord, il y a pas mal d'échappés là quand même. Quoi, il y a Kittel en échappé? Qu'est-ce qu'il fait là lui? C'est un ouf. C'est un ouf. Mais par contre, enfin c'est normal qu'Kittel ait en échappé mais... Ouais, en fait, il s'est fait lâcher par le premier échappé. En fait, c'est tout à fait normal. Mais j'aurais pensé qu'il se fait un peu plus largué que ça, même. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y avait que catégorie 2 pour l'instant. 1 minute 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune. Donc, on va quand même faire quelque chose avec Longo là, du coup. Même si ça va être chaud. Il y a 15. Ouais, bon, 15, c'est trop là. 15 échappés devant. Mais là, Kittel, il est là. Lui, il va se faire décomponer. Ça, c'est bien. Enfin, c'est bien pour Longo. Il est capable de tirer son épingle Mais il du y a quand jeu même trop de pour monde subir devant sur le pour plaquement du pouvoir boss ou les cols. espérer En cas d'arrivée à deux, mieux vaut ne pas miser de sur lui. faire quelque chose avec Longo. Et puis Kittel, le pauvre, là, il essaye de tenir encore le coup. Mais ça sert à rien de se fatiguer. Donc maintenant on va voir un peu la simulation, qu'est-ce que ça va donner, parce que le peloton roule forcément un peu plus fort là, pour espérer rattraper toutes ces échappées, et puis Longo se fait lâcher bien évidemment, parce qu'il n'arrive pas à tenir le rythme du peloton. Je sais pas pourquoi on a toujours cet objectif chaud avec Longo. Ça serait plus marrant si ça serait pour Brutrilla par exemple. Bon, ça serait aussi trop facile si ça serait avec Contador, mais Changement de voilà. leader en tête du classement du meilleur jeune. Tant pis, maintenant, donc du coup, de toute façon, on peut plus espérer de se faire des points en grimpeur là. Avec Longo, avec les autres, ça sert à rien. Donc du coup, on va faire un peu de simulation là non plus, ça sert à quelque chose, à rien. Mais dans tous les cas, on va vite fait après switcher sur Contador qui est pour l'instant, il hésite entre le peloton et l'échappée numéro 3 et 4. Ok. Donc à 10 km maintenant, au pied du prochain grimpeur, on va reprendre 1 minute 30 de le retard sur la relais. tête pour le maillot jaune. On va un peu ac faire Les accélérer deux nouveaux leaders du classement des jeunes. Longo là. L'avance du groupe de tête devrait être Et on va même suffisante prendre maintenant le pour vous. ravitaillement. Et puis on va maintenant switcher sur Contador, Il voir attaque. combien de monde il y a devant nous. Il y en a 9 devant Changement nous. de leader en tête du classement du meilleur jeune. Personne d'important. On signale 1 minute 30 en faveur des hommes de tête par rapport aux favoris. Donc maintenant, tout le monde va prendre son ravitaillement. Voilà. À part Contador. Bien reçu. Donc là, on est en train de tirer toute une Les hommes équipe de très tête ont importante. 1 minute d'avance sur le groupe des favoris. Le groupe maillot jaune est maintenant à 1 minute de la tête de course. Ok, donc bah on est Attaque derrière toi! avec tout le monde là.
Ok, on va essayer de pas prendre le ravitaillement trop tôt. On va... attendez, attendez. Une petite simulation pas trop rapide. Voilà. Et puis, je dirais à 4 ou 5 km de l'arrivée, on va reprendre le relais. Ben, on va le reprendre maintenant à 4 km. L'échappée augmente son avance sur le groupe maillot jaune. Donc, on est là avec Contador, on est bien. Accélération à la tête du peloton, il faut être vigilant. Donc, on peut même se permettre une petite attaque encore là. L'écart entre le groupe des favoris et la tête de la course est de 30 secondes. Parce qu'on a encore notre petit ravitaillement à prendre là, et on va le prendre maintenant. Il prend la tête du classement général virtuel. On est leader virtuel. Allez, on continue comme ça, allez. Ah oui, parce que le maillot jaune, il s'est fait... Bah non, il est... Ah bah oui, c'est vrai que c'est le bug. C'est vrai qu'il n'est pas devant nous, le maillot jaune, même si c'est indiqué. Ok, on est plutôt pas mal. C'est sûr qu'on est fatigué, mais je pense que c'est normal après une étape comme ça. Avec pas mal de grimpeurs, mais... Les favoris ont 1 minute de retard sur ton groupe. On est plutôt bien, je dirais. Par rapport au jaune et par rapport au rouge. On va suivre notre rythme là tout seul. Voir s'il nous suit. Je pense qu'il nous suit bien évidemment. Ouais. Bon, je pense qu'il n'y a personne qui va vraiment attaquer encore là. Parce que c'est quand même assez chaud. La fin. Et puis si on est sûr d'avoir encore assez de jaune, on va partir. Et puis là, ils y vont. Donc non, ils y vont pas. Allez, là par contre, nous, on y va. Une étape parfaite pour Contador. Et donc ça, c'est fait. Maintenant... J'espère que tout le monde va arriver en bonne santé. Bah du coup, Lango, il s'est chopé aucun point, mais c'était plus que chaud avec Lango. Donc, faut voir qu'est-ce que ça va donner. On était 13e jusqu'avant, avec Lango au classement montagne. Maintenant, on verra. Donc au général, donc ça donne Contador prend la tête à 43 secondes devant Valverde et Nibali à 1 minute. Et donc Brutila 51. Ouais bon, après le reste ça devient un peu important. Contador est donc deuxième au classement par point de montagne, mais par contre Longo que encore 17e et donc c'est mort pour cet objectif là. C'est bien dommage. Pour être dans les 15 premiers, il nous en suffit d'avoir 4 points en fait. Avec 4 points, on serait dans le top 15. Mais malheureusement, on n'a pas eu. Donc avec seulement 1 point de plus. Mais bon, c'est dommage. Mais c'est foutu. Donc maintenant, il faut tout miser sur Kittel. Parce que lui, son objectif est bien possible encore avec son maillot jaune, son maillot vert et gagner 2 étapes. Pour l'instant, on a gagné 1 étape pour cette saison 8. Et donc, bah, faut espérer de gagner encore cette dernière étape à Paris. En espérant que Contador ne se fait pas larguer. Mais principalement, dans cette dernière étape, il n'y a pas de... Ils se font pas trop larguer, donc on a peut-être une chance de garder le maillot jaune. Ça serait bien de pouvoir garder le maillot jaune avec Contador et le maillot vert avec Kittel. Ça serait bien à avoir. Ça serait joli. Mais donc, vous voyez, donc le dernier objectif qui nous reste à faire, où on a peut-être une chance de pouvoir le faire encore, c'est donc Kittel gagner le maillot vert et 2 étapes avec Kittel. Pour l'instant, comme dit, on a gagné 1 étape avec Kittel. Il nous manque donc cette dernière étape à Paris avec Kittel. J'espère que on va le faire. Allez, c'est parti. On mise tout sur Kittel.
Il faut vraiment tout faire pour que ça marche là. Donc on va faire une petite accélération pour le sprint intermédiaire. Et puis bien sûr, bien évidemment, aux Champs-Élysées à la fin. C'est parti. Donc on va prendre bien évidemment Kittel. Et puis là, on va prendre cette fois-ci la barre protéinée, comme vous m'avez conseillé pour le plat. Et puis là, je dirais que c'est plat. Plus ou moins plat. Plus ou moins. Mais donc déjà, on va faire un petit effort pour le sprint. Même si c'est pas le plus important, parce que le plus important, c'est quand même de gagner cette étape. Mais quand même, ça serait bien si on chope quelques points pour le sprint. Ça va être une étape très chaude et dure, je dirais, parce que bah, ça va être certainement pas simple. Allez, c'est parti. Bon, en même temps, Paris, c'est jamais simple. Mesdames, Messieurs, bonjour. La dernière étape sur les Champs-Élysées est toujours l'une des plus convoitées. Dans le passé, des sprinteurs qui courent après le prestige d'une victoire à Paris se sont parfois laissés surprendre. Mais ça ne s'est pas produit très souvent. Et avec les spécialistes qui dominent actuellement l'exercice, le défi s'annonce encore plus relevé. Ok, donc on va faire une simulation doucement pour ne rien louper. Mais normalement, il n'y a pas trop d'échappées dans cette étape. Et donc, à 3 km, on aura 4 km maintenant. De l'arrivée, on va reprendre le relais. Ouais, forcément, là, le peloton, il roule très très fort. C'est exactement ça. Les premiers entrent maintenant sur le circuit des Champs-Élysées. Un sprint intermédiaire sera disputé au premier passage sur la ligne. 20 points pour celui qui passe en tête. Malheureusement, on voit pas exactement combien de kilomètres il y a encore pour le prochain sprint, mais on peut le voir en bas à peu près. Allez, on y va. On est passé encore devant Kittel, ça fait plaisir. Donc, avec nos 17 points, on a quand même pu choper quelques points là pour le maillot vert. Donc maintenant, Kittels peut se reposer un peu là. Donc en toute façon, rien se passe d'exceptionnel pendant cette étape. De toute façon, c'est juste les tours aux Champs-Élysées. Mais la fin, ça va être plus que chaud. Parce que le peloton a tendance à accélérer beaucoup, beaucoup quand même là. Et puis tous ceux qui n'arrivent pas à suivre, bah, ils vont se faire lâcher. D'ailleurs, il y en a plein qui se font lâcher déjà. Donc maintenant d'ailleurs on va prendre le ravitaillement avec tout le monde. L'attention est à son maximum. Les poissons pilotes vont bientôt s'écarter pour laisser la place à leur sprinter. Bien reçu. Le temps groupé. Ok, on va prendre le ravitaillement Et là. c'est parti pour le dernier sprint de ce Tour 2014. Oh putain, ça part déjà. Même pas le temps de prendre son ravitaillement tranquille. Ok, en plus il y a encore une chute là. Mais on a quand même eu cette victoire à Paris. Ça fait plaisir, ça fait même extrêmement plaisir. Il y a même Saton encore 9e. Ça c'est cool aussi. Donc du coup il s'est fait une petite place dans le top 10 aussi, Saton, Il est pour tout sourire cette au moment de monter sur le podium. Étape. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape des Champs-Élysées. Marcel Kittel. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort, il mérite amplement cette victoire de prestige. Voici le grand vainqueur de ce Tour de France. Il a su déjouer tous les pièges du parcours tout en maîtrisant ses rivaux. Il peut enfin savourer cette grande victoire aujourd'hui. On l'applaudit bien fort, il rentre dans l'histoire du cyclisme. Donc ça fait plaisir aussi que Contador a pu garder son maillot jaune.
Donc du coup, on a eu le maillot vert et le maillot jaune. C'est au tour du meilleur sprinteur de recevoir le maillot vert. Régulier tout au long de ce tour, il a réussi à marquer suffisamment de points pour dominer ses adversaires. Vous pouvez le féliciter, c'est amplement mérité. Voilà. Maintenant, nous allons accueillir le meilleur grimpeur de cette édition. Toujours présent aux avant-postes, on peut dire qu'il a marqué la course de son empreinte et que ce maillot à poids n'est qu'une juste récompense de tous les efforts qu'il a fournis. Allez, on l'applaudit bien fort. Alors que nous accueillons le meilleur jeune sur le podium, on peut dire qu'avec ce maillot blanc, il prend rendez-vous avec l'avenir. Il ne serait pas étonnant de le voir jouer la victoire finale d'ici quelques temps. Applaudissez-le comme il le mérite. Voilà, donc ça, c'est fait. Et donc du coup, on a encore les 2,2 millions de cet objectif de l'étape. Ça fait plaisir aussi. Donc du coup, au général, ça fait que Contador est premier avec 43 secondes sur Valverde et Nibaldi 1 minute. Ça n'a pas vraiment changé ici. Voilà. Et donc, au classement de la montagne, Bardet donc premier. Contador aurait pu encore avoir le maillot à poids. Mais bon, après, ça serait quand même trop là. On a déjà eu les deux maillots. Le vert et le jaune, ça fait déjà plaisir. Donc Brutila 5e. Mais par contre, le plus important, ça serait Longo. Mais malheureusement, lui, il manquait un petit point encore pour au final avoir les 12,5 millions pour être dans les 15 premiers de la montagne. Donc après, Kittel a pris finalement un peu d'avance quand même sur Cavendish même. Et l'autre Kittel, le troisième. Et donc, après, on est au final que 14e équipe, par contre, parce que, bon, faut dire que c'est sûr qu'on a plein qui ont lâché tout au long de la saison 8, là, parce qu'on a quand même beaucoup de coureurs qui n'ont pas le niveau de Contador ou de Kittel. Et donc, c'est justement ça qu'on va encore viser maintenant, de faire toute une équipe autour de Contador et Kittel pour finalement être peut-être dans les meilleures équipes du monde. Mais ça, c'est encore à long chemin parce que il faut d'abord faire beaucoup d'objectifs pour gagner beaucoup d'argent et au final gagner tout ça. Donc, du coup, ça fait juste un objectif de gagner pour cette saison 8. Donc, le maillot vert et deux étapes avec Kittel. Malheureusement, à la fin, il nous manquait une étape encore avec Contador. Parce qu'il nous manquait un millimètre sur l'autre Contador. Je vous invite à franchement aller voir la dernière vidéo sur le Tour de France si vous ne l'avez pas vu. Parce que c'était un millimètre qui nous manquait par rapport à Contador. Pour une étape en montagne, parce que c'était vraiment Contador vs Contador, et puis les deux, c'était vraiment un millimètre qui manquait à Contador par rapport à Contador, voilà. Et donc, malheureusement, ça, on n'a pas pu le faire. Après, Longo, il manquait un point, donc on est passé de tout près des 25 millions. On a perdu 25 millions, comme ça, un truc qui manquait juste un point et l'autre qui manquait un millimètre. C'est bien dommage, mais bon, voilà. On a eu quand même les 20 millions de la part de sponsor, ça fait plaisir, merci à toi sponsor. Et donc c'est parti, ça va bientôt commencer la saison 9 pour la semaine prochaine là. Et donc maintenant on va voir si on peut faire encore quelque chose, des nouveaux achats avec 83 millions. Donc je dirais en sprint on est bon, avec Kittel et Saton on est plutôt équipé. En vallon par contre là il faudrait faire quelque chose, en montagne on a Contador et Brutila, donc là il n'y a pas trop à s'inquiéter. Mais par contre c'est vrai que Longo
faudrait le voir quand même là avec Valon. Et puis polyvalent, faudrait faire quelque chose aussi, mais bon, pour l'instant, on va se concentrer déjà sur Valon. Donc là, du coup, on verra qui est-ce qu'on va prendre. Donc j'hésite entre Gilou et bon, Gilou est pas mal. Le Belge, mais par contre, il y en a quand même pas mal encore et qui sont moins chers du coup. Mais bah, vous savez quoi, on va le prendre, le Gilou. Parce que niveau qualité, rapport, prix, n'importe quoi, le mec il fait la phrase à l'envers. Non, on va prendre Gilou, franchement, parce que il m'a l'air bien. Allez, on va le prendre. Merde. Putain, mais à chaque fois, je me trompe avec ça. Donc, on va le prendre, je redis une fois encore. Gilou, voilà. Et donc, avec 17 millions, on peut absolument rien faire, je pense, parce que là, il faut chercher vraiment en bas déjà. Et puis, on pourrait chercher encore un équipier pour Gilou, quoi. Qui a le niveau peut-être de Gilou. Ou alors chercher quelque chose pour le polyvalent là. Mais je dirais que polyvalent, on va se concentrer plutôt l'étape. Enfin, la saison prochaine. Mais déjà, là maintenant, on peut peut-être chercher un équipier pour Gilou. Nanana, donc on va prendre Izagir peut-être. Ou bon, lui il est Mercato, il est moins cher quand même, il est beaucoup moins cher. Mais on va quand même le prendre Izagir. J'hésite franchement là, mais on va quand même le prendre. Izagir, oh merde, putain, mais carrément deux fois d'affilée le truc. Mais je dirais quand même qu'on va prendre là Izagir, l'Espagnol à 25 ans, parce que lui il a déjà 30 ans quand même, et puis un petit jeune, ça fait plaisir. Et puis c'est parti, on va le prendre Izagir, voilà, et comme ça on est équipé au Valon aussi. Donc on a en montagne maintenant Contador et Brutila. En sprint, on a Kittel et Saton. En montagne, bien sûr, plus tard, on pourra se prendre encore Froust ou Nibali. Là, j'hésite encore parce que Nibali, il est vraiment très très bon quand même. Il y a Valverde aussi, mais malheureusement, on peut que choisir au final deux grimpeurs. Donc, je ne sais pas qui va être au final à côté de Contador. On verra encore. Vous pouvez dire dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez, Froust ou Nibali. Bon, il y a Quintana aussi de Rocard. Mais par contre, et Valverde aussi, j'aime bien. Mais par contre, je pense que on va quand même. Max, je connais carrément pas. On verra. On verra bien. Mais on peut effectivement mettre à côté de Contador encore un plus fort que Contador, pourquoi pas. Mais ça, on verra encore. Et puis pour le sprint, c'est pareil. Il y a Cavendish, il y a Kraepel, il y a Degenkolb. Ou bien sûr, encore des plus forts que Kittel, on verra. Et puis en Valon, on est déjà assez bon là, je dirais, avec Gilou et Izagir. Et puis en polyvalent, on peut se prendre aussi des bons. Il y a par exemple Wagon ou Bosson. Ok, donc déjà là on est bon, on est prêt pour pouvoir faire quelque chose. Et voilà, donc on se retrouve très vite pour une prochaine saison. Je peux pas encore vous dire si bah, il y aura directement la saison 8 et la saison 9, ou si je fais la saison 9 de mon côté. Et puis après, on fait saison 10, parce que normalement,
il se passe rien d'exceptionnel après une saison où on a déjà fait des on a acheté des nouveaux coureurs, mais bon, on verra encore par la suite. Mais attendez, par contre, on va juste choisir encore nos étapes pour la saison prochaine. Donc, des étapes peut-être pour Kittel, parce que disons, ça serait important quand même d'avoir des étapes pour Kittel aussi. Là, Gérard-Mer, Mulhouse, ça me tente aussi. Ça serait pour Longo. Enfin, il n'y a plus Longo en fait, mais pour ceux qui se font les étapes en vallon. Non, bon, là, il y a carrément un hors catégorie aussi. Mais ça serait plutôt ça en fait pour les. Non, déjà on va garder ça comme ça et puis après on verra pour la suite. Donc du coup les étapes pour Kittel, ça serait bah, justement cette première étape. Celle-ci, celle-là en début. Et après, bah il y a Gilou qui va prendre le relais et bien évidemment Contador. D'ailleurs, peut-être il faudrait même rajouter encore une pour Contador, genre celle-là. Celle-là, on l'a pas encore faite en plus. Une étape plutôt courte avec trois grimpeurs et une hors catégorie. Et l'arrivée en grimpeur aussi. Allez, elle a l'air d'être assez intéressante et le ravitaillement assez à la fin. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Et donc, bah, on va se faire cette saison 9 ensemble, bien sûr, parce que là, ça risque quand même d'être intéressant avec ces nouvelles étapes. Donc, je vous dis à la prochaine et un bon dimanche encore. Et on se retrouve très vite pour la fin. Ah bah non, quoique, on va faire encore ça ensemble. J'arrive pas à vous lâcher. Donc, bah là, je dirais qu'on va pas y toucher. Même si, attendez, on va juste vite fait mettre Pringé là, juste pour mettre en fait Contador, parce que voilà, parce qu'en fait Contador j'aimerais bien le mettre là, voilà, Contador ici et Brutti là ici, voilà. Donc après, ici, c'est pareil. J'aimerais bien mettre Satan ici et Kittel ici. Et donc là, on va mettre... Itzagir. Et ici, on va mettre Gilou. Voilà. Et donc en polyvalent, on va rien changer parce que bah, disons on n'a pas encore y touché. Mais ça, on va le faire justement dans les prochaines saisons, de se mettre des bons coureurs polyvalents. Et puis comme ça, déjà, on a dans toutes les catégories des bons coureurs. Et puis après, il faudra faire encore mieux. On va essayer d'atteindre le meilleur du monde, une équipe de ouf. Mais ça serait pour plus tard. On va déjà sauvegarder tout ça et puis voir nos objectifs pour la saison 9 qui va suivre maintenant. Donc gagner le Tour de France et une étape avec Contador. D'accord. Donc le plus dur c'est de gagner le Tour de France déjà. Une étape avec Contador c'est faisable. Donc gagner trois étapes avec Kittel. Ça c'est chaud par contre. Trois étapes. Deux c'est possible mais trois c'est chaud. Mais c'est faisable. Gagner le classement général de la montagne et une étape avec Gilou. Oula. Et donc les 5 premiers du classement général de la combat d'hiver avec Mondé des Tours. Mais par contre, ça risque d'être chaud quand même là. Parce que là, en gros, ils nous veulent... Bon, avec Kittel, on vise bien sûr le maillot vert. Et puis avec Gilou, donc le maillot à pois rouge. Et puis avec Contador, le maillot jaune. Donc on vise à peu près tous les maillots. Mais on verra déjà ce qui est le plus possible. Et puis après, on verra bien. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine les gens.
Je vous souhaite une bonne semaine et pour ceux qui sont en vacances, bah, profitez bien. Et voilà, un bon dimanche encore. Donc salut Jean et à très très bientôt.